évidemment, et ces dames aux têtes. Les belles sœurs sont une œuvre de jeunesse. Arrivée au bon moment, cette pièce a donné à ceux qu'on appelait encore les Canadiens français la permission de s'exprimer avec leurs mots à eux. L'histoire de la création des belles sœurs est fabuleuse. Et les belles, car elles mettent en scène des personnages comme du chien. Ils sont des batailleurs. Ils ont l'étoffe des héros. Cette histoire est belle car elle se termine bien. À travers ces 15 femmes, c'est finalement tout un peuple qui se réunissait dans la cuisine de l'appartement du château Mont-Royal pour dire qu'il en avait assez d'être une witness chief du Crespi. C'est pas fort, on ne rentre jamais 15 dans la cuisine. Je t'ai dit que je faisais un party de femmes, Linda, rien que des femmes. La cuisine a été et est toujours le cœur de la majorité des demeures québécoises. Elle l'était particulièrement pour les grands appartements du plateau dont vivaient plusieurs. La cuisine a toujours été le maître de la maison, explique Michel Tremblay. Il m'apparaissait normal que l'action se déroule entièrement là. Le 1er mars 1968, le CEAD, le Centre d'essais des auteurs dramatiques, annonce dans la presse la lecture publique des belles-sœurs, le lundi 4 mars, au Théâtre des apprentis sorciers, à 8h30. André Brassard plonge tête première dans la préparation de la lecture. Il se met à la recherche d'interprètes pour compléter sa distribution. Il sait qu'il peut compter sur un noyau solide formé de Denise Filiatreau, Hélène Moiselle, Luce Guilbeault, Rita Lafontaine, Janine Suto, Louisette Dussault et Denise Pau. Lettre de Denise Lacasse, du CEAD, à Denise Pau, comédienne. Montréal, le 4 mars 1968. Madame Denise Pau, 5738 rue du Rocher, Montréal. Chère Madame Pau, je tiens à vous remercier au nom du Centre d'essai des auteurs dramatiques pour votre contribution à la lecture des Belles-Sœurs, comédie en deux actes de Michel Tremblay. Nous ne pouvons malheureusement pas vous remettre le cachet normal attribué pour une lecture publique, mais il nous fait plaisir de vous verser la somme de 8 $ pour frais encourus lors de cette lecture. Sans votre collaboration, il nous serait impossible de réaliser nos objectifs et nous espérons compter à nouveau des nôtres dans un avenir rapproché. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs, Denise Lacasse. Indiquez-moi cette heure, le chapelet. Je suis mal pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes mignonne de toutes les femmes, mais j'ai vu. Il y a derrière Johnny qui comptait sur moi. Il m'a fait part de 10 ans de ma vie, Chris. J'ai rien de 30 ans et je me sens comme si j'en avais 60. Maudit cul! De 1968, maman aux 15 femmes envahissent la ceinturie d'Auvers pour un party de collège de timbre, jusqu'en 1974, où je fais partie de ce cœur féminin en incarnant Olivia Dubuc, hurlant l'eau Canada sur les planches du théâtre du Nouveau Monde. Je mesure à quel point Michel Tremblay a créé une onde de choc qui a ébranlé les fondements même de la dramaturgie québécoise. Nous sommes tous les enfants de Michel Tremblay et de ses nombreuses femmes à qui il a conféré sa lucidité et son génie. Merci Michel, c'est grâce à toi si on est vivante. Non, mais j'ai du l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose. Je considère qu'une carrière de comédienne est en quelque sorte incomplète si on n'a pas, à un moment ou à un autre, interprété un des nombreux personnages des Belles-Sœurs parmi des productions en plus nombreuses encore. Un phénomène. Merci à Gabrielle Jodoin, ça c'est le nom du personnage que j'ai déjà interprété. Donc, merci à Gabrielle Jodoin de m'avoir fait pénétrer dans l'univers théâtral de notre plus grand anneau québécois, Michel. Moi, je suis pas contre les peines, c'est bien commode. S'il n'y avait pas de peine, j'attendrais encore après ma patente pour acheter la lampe.
scène. 15 femmes du milieu ouvrier qui pouvaient exprimer ce qu'elles vivaient. 15 femmes à qui on donnait enfin la parole et qui mettaient leur âme à nu. Un grand vent de changement survenait, car ces cris du cœur venaient de femmes